Bonsoir, docteur Bruno Donateni. Bonsoir. Un peu de littérature pour un grand médecin comme vous, ça change un peu. Oui, tout à fait. Célèbre gastro-entérologue, hépatologue, cancérologue, immunologue, rien que ça, vous êtes le spécialiste de toutes les bactéries. On va découvrir ça avec vous. Alors, vous intéressez particulièrement cette fois-ci à la bouche. Vous dites qu'elle est le miroir de notre santé. Ça veut dire finalement qu'en regardant notre bouche, on peut savoir comment on va. On peut apprendre énormément de choses soi-même, simplement en s'intéressant à ses gencives, à ses lèvres, à sa langue. Donc on va regarder avec attention, est-ce que les gencives saignent ou ne saignent pas? Est-ce qu'elles se rétractent ou pas? Ça, c'est un point très important. Est-ce que la langue est fissurée? Est-ce qu'elle est un peu gonflée? Est-ce qu'il y a un épais mucus? Est-ce qu'on a une mauvaise haleine? Tout ça, c'est des... Tout ça sont des signes, qui doivent alerter. Ce n'est pas normal. De la même façon, si vous avez des aphtes, des herpès, ce n'est pas normal. Votre bouche souffre et appelle à l'aide. Et vous dites finalement, on est on ose assez peu ausculter la bouche, parler de la bouche, alors que c'est une des choses qu'on voit le plus dans notre visage, c'est notre système de communication, et pourtant, c'est pas trop dans notre culture. C'est un lien très fort de la communication, bien entendu, mais on en parle très peu. C'est finalement très intime. Il y a toute une histoire qui se dessine derrière. Ça peut être des traumatismes, des négligences. Qu'on verrait à travers la trace du temps dans la bouche. Tout à fait. Un microbiote qui s'exprime, c'est toute une histoire qui vous dit que vous avez reçu ou pas des soins adaptés, que vous avez été négligent, que vous avez eu des carences diététiques. Tout ça va être raconté par la bouche et ça dit des choses que vous ne voulez pas forcément dire à tout le monde, même au médecin. Il faut qu'il aille chercher le petit détail, la confiance, qu'il regarde et qu'il dise « j'ai vu ça, comment l'expliquez-vous ? » Ouais. D'ailleurs, vous plaidez pour que ce soit grande cause nationale, la bouche. Vous comparez la bouche, dans votre livre, à un champ de bataille permanent. Ce n'est pas très rassurant. Alors, vous dites « le monde extérieur est opportuniste. C'est un recycleur de végétaux, de peaux mortes, de cadavres ou de déjections d'insectes. Il s'engouffre, ce monde extérieur, dans notre bouche, via les aliments, les mains, l'eau du bain ou la poussière. Ben » là, vous nous faites peur. On a en effet, finalement, une zone qui est humide, qui est réchauffée, où on introduit des aliments, donc c'est un milieu de culture idéal. On aspire l'extérieur en permanence, des poussières, des déchets, on y met nos doigts. Donc finalement, tout va être bon pour que des bactéries viennent finalement consommer tous ces déchets ou ces nutriments. Et il ne faut surtout pas que nos propres tissus, notre gencive, deviennent un aliment. Donc il ne faut pas qu'une gencive saigne et soit laissée en mauvais état, sinon le sang va devenir un aliment et va faire prospérer des bactéries capables de profiter de nous. Donc c'est un lieu qui doit être nettoyé avec une bonne flore qui sert de contrepoids à la vilaine flore, pour être simple, qui est opportuniste. Tout est bon pour une bactérie. C'est ça, il y a les bonnes et les moins bonnes bactéries. Alors, depuis qu'on est petit, on met tout à la bouche. D'ailleurs, vous dites pas que petit, parce qu'en fait, même adulte, on s'en rend moins compte, mais on met toujours tout à la bouche. Vous donnez l'exemple de la tartelette dans un café. Racontez-nous cette histoire de la tartelette. Ben, il est certain que la poussière ambiante va venir se déposer sur la tartelette. On ne sait pas si le serveur n'y a pas mis déjà son empreinte ou le cuisinier. Nous, on va se servir de cette tartelette, souvent avec nos doigts, plus ou moins élégamment. Et puis, on va attraper un livre, on va attraper autre chose, un couvert, on va y rajouter des choses, on va parler avec quelqu'un. Finalement, ça fait déjà un assemblage de microbiotes. Et pourtant, vous dites, c'est pas si grave que ça. Il faut même pas surdésinfecter tout. D'ailleurs, en période de post-Covid, on s'est posé la question sur une désinfection à outrance des plateaux, de tables, des mains, etc. Vous vous dites surtout pas, il faut parfois utiliser toutes ces bactéries, ces champignons, parce que ça solidifie notre santé. Tout à fait. Une bonne flore, c'est une flore diversifiée. Donc il ne faut pas détruire sa flore. D'accord. Elle doit être enrichie. Et il y a une théorie dite hygiéniste, où vous faites trop d'hygiène et vous vous retrouvez avec une flore pauvre, d'où le surpoids, le risque de diabète. Alors qu'une flore rurale, avec plus de végétaux, plus de mains dans la terre, vous permettra d'acquérir une flore plus diversifiée. Mais alors, donc ça veut dire que ce chiffre des Français, d'ailleurs, qui est assez marquant, un Français sur quatre à peine se lave les dents, enfin un Français sur quatre se lave les dents moins de deux fois par jour, c'est pas si grave que ça, du coup ? Oh, c'est très grave de ne pas avoir une bonne hygiène dentaire. Parce que, en fait, le risque, c'est le dépôt entre les dents qui va
amener des bactéries qui n'aiment pas l'oxygène, qui sont protégées dans ce dépôt. On les appelle les anaérobies, elles n'aiment pas l'oxygène. Et celles-ci sont capables d'aller en profondeur où il y a moins d'oxygène et de détruire la couche protectrice qui est la muqueuse. Donc c'est très grave de ne pas enlever ces amas dentaires, interdentaires. Oui, puisque finalement la bouche, c'est ce que vous expliquez aussi, c'est la porte d'entrée. Certes, finalement des bactéries qui nous rendent plus fortes ou plus forts, mais aussi finalement des maladies. Et des maladies qui peuvent toucher tout le corps d'ailleurs, puisque la bouche relie autant le cerveau que les intestins. Et ça, c'est assez contre-intuitif parce que vous parlez de la maladie d'Alzheimer, de Parkinson, de la polyarthrite rhumatoïde, mais tout ça est lié aussi à notre bouche. Tout à fait. Donc on connaît de mieux en mieux le microbiote et on analyse dans le détail par l'ADN, par l'ARN maintenant, ces bactéries qui sont présentes avec des petits prélèvements, on peut le savoir, et on a des pathologies qui sont en train d'être découvertes. Ça peut aller de l'endométriose, où on va faire un test salivaire pour faire un diagnostic, donc un diagnostic à distance, à des maladies comme les neurodégénérescences que vous avez bien citées. Donc là, on va avoir des dépôts qui vont être présents dans la bouche, dans l'estomac, qui vont gagner l'intérieur du corps, rejoindre un nerf très important qu'on appelle le nerf vague. C'est le système nerveux automatique qui nous aide à respirer, à avoir un rythme cardiaque, à vidanger notre estomac et à sécréter des hormones. Donc ce nerf va rassembler ces déchets et les amener au cerveau. D'où le lien entre les pathologies buccales gastriques et ces maladies. On fait le lien entre certaines bactéries, pour en citer quelques-unes, Fusobacterium nucleatum, et le Parkinson, ou Porphyromonas gingivalis, et l'Alzheimer. Et ça veut dire qu'en fait, en entretenant mieux notre santé buccale, on pourrait prévenir de grandes maladies. Sans aucun doute. Sans aucun doute. Donc là, c'est très très clair. Baisser les maladies parodontales et ces deux grandes bactéries anaérobies arriveraient sans aucun doute à juguler ces problèmes. Épidémique. Vous parlez même de cancer d'ailleurs. Alors justement, pour ceux qui nous regardent, est-ce qu'il y a des choses qui doivent nous alerter? Si là, on se pose des questions sur l'état de notre bouche, vous, quels sont les conseils, quelques conseils très rapidement à garder en tête? On a trois choses. On a premièrement l'existence d'une baisse immunitaire avec un risque d'herpès, de bouton de fièvre qui va survenir souvent au niveau de la bouche. On va avoir ensuite des problèmes de gencives qui saignent, ça ne doit jamais exister. Là, vous êtes sûr qu'il y a une mauvaise flore qui doit être changée. Et le troisième point, eh bien, vous aurez tout ce qui va gêner la salivation, la déglutition, qui va donner un reflux, c'est-à-dire l'estomac ne se vide pas bien, il y a une acidité dans la bouche, vous aurez des infections à répétition. Tout ça sont des signes d'alerte. Ce sont des signes, eh bien, nous les avons bien enregistrés. Il y en a plein d'autres que vous donnez dans le livre, c'est passionnant, plein de conseils pratiques. On apprend aussi que ça ne suffit pas d'utiliser du dentifrice, c'est même anecdotique quand on se lave les dents. Le plus important, c'est le brossage, que les enfants, ils n'ont pas besoin de se nettoyer la bouche avec de l'eau, puisqu'il faut garder le fluor du dentifrice sur les dents. Plein d'autres choses aussi qu'on peut changer d'espace pour améliorer la santé de sa bouche, changer de bureau, on ne reste pas assis au même endroit parce que ce n'est pas le même environnement. Voilà ce que j'ai retenu. Merci à vous, Bruno Donati. Merci. La bouche miroir de votre santé chez Flammarion. Tout de suite, Caroline Roux, c'est dans l'air. Ce soir, consacré à Emmanuel Macron, arrivera-t-il à constituer un gouvernement d'union nationale? C'est tout de suite. Bonne émission, à demain.